c'est mon temps parti. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire alors à la fin? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on parle, on dit Mbanga diaspora, tu parles beaucoup, nanani, nanana, wo, 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 wo. Au moins, eux, ils sont morts dans le cadre de leur travail. C'est-à-dire, c'est un accident de travail. Eux, ils meurent en héros. Eux, ils meurent en héros. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Eux, ils meurent en héros. Mais qu'est-ce que toi, tu attends? Au moins, eux, ils meurent après avoir apporté quelque chose. Tu sais au moins où vient sa mort. Mais toi, que tu le veuilles ou pas, tu vas finir par mourir un jour. C'est pour dire, que tu parles ou pas, tu vas toujours finir par mourir. Donc je ne me moque pas de quelqu'un qui est mort dans le cadre de son travail. Jamais de la vie. I will never do that. Ah oui. Eux, ils meurent en grand. Eux, ils meurent en grand. C'est pas tout le monde qui va aller en exil. Non. Il y a certains qui me disent, en Banga diaspora, avec tout ce que tu as eu là, tu peux demander l'asile. Bon, j'ai passé toute ma vie dehors. Je suis un produit de la diaspora. Ma voiture, je l'ai acheté 0 km, j'ai amené au Cameroun. Donc le Dieu m'a tout donné. Le Dieu m'a tout donné. Et je ne peux pas me taire face à tout ce que je vois là. Voilà. Donc ceux qui ont ôté la vie, ceux qui ont ôté la vie à Wazizi, à Junior, à Félix Zogo, mais qui sache qu'ils vont tuer tous les Camerounais. Mais oui, ça ne me fait pas peur. Ça, vous êtes dans la distraction. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Comme j'ai toujours dit, la mort est une bonne chose. La mort donne place à la liberté. La mort donne place à la vie. Il faut mourir pour donner la place à la vie. Il y a des gens vivants qui ont donné leur poumon, leur cœur à quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Donc ceux-là qui ont osé ôter la vie à un Camerounais, quel que soit ce qu'un Camerounais doit faire, on ne doit pas lui ôter la vie. Il y a un Français qui a giflé Macron. On ne lui a pas ôté la vie. Il est en liberté, il est tranquille, il n'a pas de problème. Parce que c'est un citoyen. Parce que tout le monde va passer. On va laisser la place à ceux qui vont venir après nous. Mais si les gens se permettent, parce qu'ils sont dans les bonnes positions, parce qu'ils ont l'argent, se permettent à ôter la vie aux autres, vraiment, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Et vous voyez, comme je vous ai souvent dit, quelle que soit la longueur de ta cuillère, faut jamais essayer de manger à table avec le diable. Quelle que soit la longueur de ta cuillère, quelle que soit ta position, il va te localiser. On ne partise jamais avec le diable. Voilà. Il faut toujours pleurer. Il faut avoir toujours de la compassion. Quand tu vois quelqu'un avoir des problèmes, il faut toujours dénoncer. Ne supporte jamais un bourreau. Le bourreau de l'autre peut être ton bourreau. Même si c'est ton père, même si c'est ton père, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère qui fait le mal aux autres et qu'on se plaint, méfie-toi. Il faut le dénoncer. Sinon, le jour qu'il va manquer de poids, tu seras sa seconde victime. Sa seconde victime. Et rien ne justifie. Je vois des gens qui disent que non, nanani, nanana. Non, rien ne justifie. Rien ne justifie que l'on doit ôter la vie à une personne. Jamais de la vie. Jamais. Rien ne justifie cela. Que un Camerounais doit ôter la vie à quelqu'un. Nous, on a eu la chance de voyager. On a compris. On a compris que... Hey, on a compris comment il y a les extrémités. Les gens vont plus loin. On ne tue personne.
Mais les conséquences, c'est que je peux mourir. Mais la mort, c'est une bonne chose. Je parle à toi. Je parle à vous. La mort, c'est une bonne chose. La mort, c'est une bonne chose. Les morts se reposent. Les morts se reposent. Voilà pourquoi les Camerounais doivent se lever. C'est clair. Peut-être moi qui te parle, peut-être que tu vas mourir avant moi. Que je connais ce système. Je connais, je suis victime de ce système. Je connais ce qu'ils m'ont déjà fait. Toi, peut-être tu n'as même eu. Peut-être tu ne parles pas, peut-être tu as perdu un conteneur. Ceux qui ne parlent pas sont plus victimes que ceux qui parlent. Au moins, lui, il a parlé. Mais toi, là, le pire va t'arriver alors que tu n'as rien fait. C'est à vous que je parle. Je sais déjà ce qui peut m'arriver. Lui, il savait déjà ce qui pouvait l'arriver. Il le faisait depuis les années. Il est mort dans le cadre de son métier. C'est un accident de travail. Donc il meurt en grand. Il est mort comme Papa Wemba. Il est dans le cadre de son métier. Ça veut dire qu'il a touché le fond. Il entre dans l'histoire. Je m'adresse à tous ces assassins-là. Sachez que vous rendez les gens des légendes. Ils deviennent célèbres. Ils entrent dans l'histoire. Ça va entrer dans les annales de l'histoire. Je m'adresse à vous là. Quand quelqu'un fait son travail, si bien que on lui ôte la vie, ça veut dire qu'il a atteint le niveau. Ça veut dire qu'il a touché le fond. Et c'est une bonne chose. Je suis content que vous me tuez parce que j'ai dit la vérité. Pas parce que j'ai menti. Ça veut dire que si vous me tuez, c'est parce que vous avez senti que même en me jugeant, on va me condamner, mais je serai tout vivant. Vous comprenez que non, il faut vous débarrasser de moi. Et c'est bien de pousser le démon réagir pareil. Quand un méchant se comporte pareil, ça veut dire que c'est la fin de son temps. Parce que Dieu ne peut pas laisser que tu verses autant de sang. Jamais de la vie. Quand tu vois un homme commencer à verser le sang, parce qu'on a dit une vérité à son endroit, qui ne va pas avec lui, il décide de ôter la vie à quelqu'un. Ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin pour lui. Les plus puissants sont tombés. Où est Mumbutu aujourd'hui? Où est Mumbutu? Mumbutu qui était le roi des rois. Le chef des chefs. Il est où? Il est où? Non, mon cher, je n'ai pas peur. Non, cher. Je serais content de mourir. Parce que je sais ce qui peut m'arriver. Quelles conséquences? Nous sommes là d'abord tous morts. Nous sommes déjà d'abord tous morts. Tu es là parce que tu es en Europe. Tous tes frères, personne de tes frères ne travaille. Et que non, tu connais le système ci là. Tu es un esclave sur terre. Tu ne fais pas d'économie. Tu penses que tu es différent de quelqu'un qui est là mort? Hein, mon frère, le mort va se reposer. Il ne voit plus rien. Il se repose. Il n'a plus de facture à payer. Sommet éternel. Mais oui, le sommet éternel. Le sommet éternel. Mais quand tu ôtes la vie à quelqu'un, regardez bien. Quand tu ôtes la vie à quelqu'un, sache que bientôt on va t'arrêter. Voilà. Et voilà. Voilà. On va venir pleurer. Non, on ne peut pas pleurer. On ne peut pas cesser. Au contraire, ça nous encourage de continuer à parler. Au contraire, ça nous encourage à parler. Parce que la vie, on doit se sacrifier pour le monde. On doit se sacrifier pour que le monde avance. Voilà. Et j'en fais partie. Si on me dit que Mbanga Diaspora meurt pour que le Cameroun soit bien, mon ami, je suis là. Ah oui. Si on me dit Mbanga Diaspora meurt pour 100 personnes, que l'avenir de 100 personnes soit bien pour la vie, je suis là, je m'engage. Ah oui, je m'engage. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez vos petits débats là. Donc ça n'impressionne personne. Et ça ne peut pas arrêter les gens de travailler. Bon, là voilà les gens qui meurent. Wazizi est mort depuis, tu ne manges pas. Félix Zogo est mort, tu ne manges pas. Tu n'as pas fait pipi. Donc c'est pour dire que je meurs, que je sois vivant, le monde va avancer. Mais si je donne ma vie pour que le monde avance mieux, ce sera avec plaisir, mon frère, ma soeur. Ce sera avec plaisir. Si je meurs et que je donne place
au développement de mon pays, c'est une bonne chose. Les gens sont morts pour que le monde va mieux comme ça là. Tu ne sais pas ça? Tu crois, tu penses que si les Ernest Wandi, les Félix Moumier, les Martin Posamba, les Douala Mangabel n'avaient pas donné leur poitrine, c'est que jusqu'ici là, il y a les colons ici là dans ce pays. Donc tu fermes ta gueule. Tu la fermes. Toi qui viens faire les faux commentaires là. Que tu connais ce système. Il y a des gens qui doivent mourir. On avait dit ça à Martin Posamba. Il a continué. On avait dit ça à Félix Moumier. Il a continué. Parce qu'ils savent ce qu'ils attendent. Hein? Ils savent ce qui les attend. Martinez Zogo. Ouais, Martinez Zogo. Il nous a quittés. Il est mort dans le cadre de son travail. C'est un accident de travail. On doit l'acclamer. Il est mort en grand. Vous croyez qu'il est différent de l'autre? Vous croyez qu'il est différent de Papa Wemba? Mon ami, le rêve de chaque être humain, c'est de mourir dans le cadre de son travail. Sinon, c'est que tu n'aimes pas ce métier-là. Si tu meurs dans le cadre de ton travail, tu meurs en grand. Un militaire doit être content de mourir en guerre. Oui, oui, oui. Un policier, un gendarme doit être content de mourir en guerre. Oui. Un médecin doit être content de perdre la vie parce qu'il voulait donner la vie. Ça, c'est le devoir. Oui, oui, oui. Ça, c'est le serment. C'est un serment qui vient de ton esprit. Si tu fais un métier dans ta vie, un bosseur doit être content en voulant traverser la mer ou la Méditerranée. Tu n'es pas arrivé. Tu dis désolé, je ne suis pas arrivé. C'est ça un homme. Arrêtez-moi ça. Non, arrêtez ça. Et que ça nous serve de leçon. Qu'il faut se lever. Voilà, les cris là, ça ne suffit pas. Nous devons être nombreux. Si tout le monde se lève là, on arrête l'histoire là. Soit on met monsieur Bia face à ses problèmes, face à ses réalités. Soit tu sacrifies les criminels de ce dernier, soit toi tu tombes. Vous allez voir. Arrêtez de ça, dis donc. On a renversé les Omar Béchi. On a renversé les présidents militaires. Hein? On a renversé les Blaise Compaoré. On a renversé le président algérien, le président tunisien. Tous étaient les militaires. D'autres étaient les sans sentiments. Le président algérien n'a même pas d'enfant. On l'a renversé. Combien de fois un civil? Reste là. La dictature ne connaît pas de famille, ne connaît pas de nom. Ah oui, hier c'était Wazizi. On a dit non, wow, nanani, nanana, c'est un anglophone, wow, whoop. Un crime non élucidé donne le courage, la force aux criminels de continuer à tuer. Ah oui, à persister dans ces bêtises. C'est comme ça. Si tu laisses un enfant venir chez toi, commencer à voler la nourriture dans la marmite, il va même finir par voler ton porte-monnaie. Et demain, il va finir par ôter ta propre vie. C'est comme ça. Voilà. C'est le fait. C'est parce que... Voilà. Voilà. C'est parce que, mon ami, la vie, c'est un choix. C'est pas moi qui veux vivre pour longtemps. J'ai choisi peut-être de ne pas vivre pour longtemps. Mon père, moi, il avait 43 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 43 ans. La vie, c'est un choix. Mais sache que beaucoup de personnes comme vous là qui aimez la vie, vous mourrez tout très tôt. Et c'est vous qui vous dites, les chrétiens. Je crois en Jésus. Mais même votre Jésus a dit quoi? Qui aime sa vie la perdra. Mboupi Pondemso. Quitte là, dis donc. Moi, personnellement, j'aime la vie. Quitte. Je vais me déconcentrer même. Je vais me te bloquer même. Ah, tu ne me sers à rien. Quitte là. Les hommes de petit esprit comme ça là. Que moi, perso. Tu aimes la vie. Quelle vie que tu aimes? Tu aimes quelle vie quand ton pays souffre? Et que tu es un hypocrite. Tu es un égoïste. Tu aimes la vie quand les gens souffrent? Tu as même vu le pays là. La poussière partout. Ça ne t'inquiète pas. Tu aimes la vie. Quelle vie là? Quelle vie? N'importe quoi. Moi, j'aime la vie. Voilà. Que ça nous serve de leçon. Que la dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Voilà. Ça ne connaît pas le frère. Ça ne connaît pas la soeur. Ça ne connaît personne. Mais que ça serve de leçon à Junior Zogo, qui est là-bas de l'autre côté, là-bas en France. Là. Voilà. Voilà. Qui avait dit qu'il devait dire à ses frères de sortir les machettes pour se mettre sur le pont des Bebda. Voilà ça alors. Voilà ça, voilà ce qui arrive à son homonyme. Voilà. Vous croyez c'est qui? Ce sont ses frères du même village. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas de frères. Voilà.
Un dictateur, c'est celui-là qui te fait croire qu'un juif va te laisser la place. Jamais de la vie. La dictature, on a la division dans le poste de chacun. C'est clair. Ta position va être ta position. Le jour où tu le dénonces, il ôte ta vie. Voilà la dictature. Donc ça veut dire quoi? Tous ces cris qu'on crie là, si c'est individuel, ça n'ira nulle part. Voilà. C'est la dénonciation collective qui doit changer ce pays là. Et je m'adresse comme ça aux blogueurs. Je vais appeler vos noms d'ici peu. Voilà un homme qu'on a tué, un Camerounais. Les blogueurs camerounais là. Voilà un frère camerounais qui est mort. Vous ne parlez pas. Parce que chaque jour, vous avez fait la talakou aux gens sur les réseaux sociaux. Que non, tel c'est tel. Nanani, nanana. Voilà un Camerounais qui est mort. Quand vous ne dénoncez pas, alors que votre voix peut aider, votre voix peut porter. Tu ne dénonces pas. Toi-même, Martin, le malheur va frapper à ta porte. Et tu vas lire avec tes yeux comme ça là. C'est clair. Moi, je sais là ce qui peut m'arriver. Hein. Donc, ça ne me dérange pas. J'ai toujours dit. Si tu apprends que je suis mort, mon frère, ma soeur, cherche ma femme. Si tu peux donner 1000 francs, tu donnes. Si tu peux donner une chaussure, tu donnes à mon enfant, tu donnes. Si tu n'as pas, tant pis, calas. Dieu va les aider. Voilà. Mon père est mort depuis. Mon père est mort, j'avais 16 ans. Ça n'a pas empêché que je construise. Ça n'a pas empêché que moi, je suis jaillé chez les Blancs. Je n'ai pas eu le visa. Mais je suis passé par la route de Dieu. Le désert, la Méditerranée va tout exister. Ça veut dire peut-être, si je meurs, Dieu va donner une autre forme de force à mes enfants et à ma famille. Dans vos histoires que vous asseyez là pour dire que non, il faut avoir peur de mourir. Mon frère, vivre dans la poussière, c'est plus que la mort. Vivre dans un monde où tu peux pas faire les économies, c'est plus que la mort. Envoyer tes enfants à l'école, ils obtiennent tous les diplômes. Ils n'ont pas de travail, c'est plus que la mort, monsieur. C'est plus que la mort. C'est de l'humiliation. Il y a des gens aujourd'hui qui jubilent parce qu'ils ont quelques millions aujourd'hui. Mais je vous dis bien que dans 15 ans, dans 20 ans, vos enfants seront tous des chômeurs. Et vous allez comprendre la réalité. Le combat dont on mène aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, parce que vous êtes en fonction, vous riez. Vous êtes content. Aujourd'hui, parce que tu es un petit millionnaire, tu dis que ça ne me concerne pas. Moi, j'aime la vie. Ah, tu aimes la vie, c'est bien. Mais tous tes neveux que tu dépenses l'argent là, je pense que tu dépenses parce que tu penses qu'ils auront le travail. Le moment viendra. Tu vas confirmer que tout ce que tu as bâti comme travail là, ça n'a pas porté ses fruits. Ils seront tous les chômeurs. Ton propre enfant, tes enfants seront des chômeurs. Tu vas comprendre que la grosse maison ne me sert à rien. Oui, la grosse maison ne me sert à rien parce que tout le monde est déjà chômeur. Ta maison devient la maison la plus détestée du quartier. Ta maison devient la maison qui devient un sujet de moquerie. Pourquoi? Parce qu'on sait que hier, voici un monsieur qui vivait bien. Comment subitement tous ses enfants sont des chômeurs? Voilà pourquoi il faut aussi dire non. Mon ami, j'ai de quoi vivre. J'ai de quoi manger. J'ai où dormir. J'étais aussi là-bas. J'ai encore ma carte. Je peux voyager quand je veux, où je veux. Monsieur. Mais j'ai un problème, je m'inquiète pour l'avenir de mon pays. J'en connais, hein? J'en connais plusieurs dans mon quartier. Les colonels, oh, les ceci, cela. Oh. Quand je suis entré au quartier, il y avait certains qui avaient encore 5 ans de service. J'écoutais les paroles. Ce n'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui. J'ai les voisins commissaires. Ce qu'ils disaient hier, c'est là 5 ans. Parce qu'ils travaillaient. Depuis qu'ils sont en retraite, depuis 5 ans, ce n'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils commencent à comprendre la réalité. Voilà. Quand toi, on t'ouvre les portes, tu rêves. Tu penses que c'est de la même manière qu'on va aussi ouvrir les portes à tes enfants. Oui, quand tu es dans un système, tu penses que le système l'avait fait cadeau aussi à tes enfants. Mon ami, ceux qui profitent, c'est ceux qui sont haut placés. Je connais les enfants d'un divisionnaire dans mon quartier. Mon ami, même inspecteur de police, ils n'ont pas pu. Chômage. Mais oui, c'est vrai. Je connais un colonel. Il fait le concours de la gendarmerie. L'enfant échoue. Ils sont là. Mais oui, ils sont là. Sur la barrière, on a divisé. Maintenant, on a mis les chambres à louer. Sur la barrière, on a divisé, on a transformé en boutique. La maison d'un colonel, un du colonel, qu'à l'époque personne ne pouvait passer là devant sa porte. Il y a cela 5 ans. Les choses ont changé.
Les charges ont augmenté. Faut faire attention. Faut faire attention. Quand on dit dénoncer, le bien-être c'est pour tout le monde. Voilà, chacun se retrouve. Chacun trouve son compte. C'est de ça qu'il s'agit. Ouazizi est mort. A-t-on élucidé le crime? Où était la lumière? Vous attendez à quoi? Que la lumière s'installe sur le meurtre de Martinez Ogo? Hein? Comment? Comment? On dit levons-nous pour déposer ce monsieur-ci au sol. Parce que le problème du Cameroun, c'est M. Paul Biya. Ces gens sont couverts par le système de M. Biya. C'est le problème du Cameroun. Il n'y a pas deux. Ne partez pas chercher de midi à 14h. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne l'aime pas. Parce que notre pays est en train de se transformer en gang de malfaiteurs. Mais oui, voilà, voilà, on enlève un Camerounais. À quoi sert les caméras de sécurité? À quoi ça sert? Donc les caméras de sécurité ne servent que pour le MSC, quand ils veulent organiser un meeting, ou bien pour les marches pacifiques. À quoi sert les caméras là? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a les caméras. Et les caméras, ça a une grande portée. Je sais de quoi je parle. C'est la même version de caméras que je vois à Singapour. Les caméras là. On est capable d'identifier ces personnes-là. Mais hélas, comme ils appartiennent au système, on a transformé notre pays en cimetière. Tout est pollué. Voilà, ici, là, au rond-point, on vient mettre une cimenterie. Oh, en plein cœur de la ville de Douala. Tout est pollué. Hein? Tout est pollué. Les crimes passent par-là. Mon frère, je sais que bientôt, moi, un jour, je vais mourir. Mais moi, je vais mourir. Parce que j'ai parlé la vérité. Toi aussi, tu vas mourir. Tu vas mourir, mon frère. Ah, c'est pas chaque jour, les gens entrent sous les camions. C'est la mort, non, mon frère. La mort, c'est la mort. Alors, donc, tant pis pour toi qui dis que Mbara Diaspora, vraiment, peut-être bientôt, ce sera ton tour. Mais je sais que c'est mon tour. Au moins, je suis fier parce que j'attends déjà ça depuis. Quand ils m'ont arrêté récemment, j'ai cru que moi, je mourrais. Voilà. Ils m'ont amené, ils m'ont torturé, arraché mon bas de pied. Me voici aujourd'hui, je peux marcher pieds nus. Voilà. Donc, mon ami, je sais là comment ça se passe là-bas. Je sais comment ça se passe. Donc, je sais. Voilà. Ne sois pas surpris que ces gens-là, c'est les hommes en tenue. Mais, maquillés en criminel. C'est comme ça. Ne sois pas surpris que le genre de personnes qui ont suivi Martinez Ogo jusqu'à enlever là, ne sois pas surpris que c'est les hommes en uniforme. Dans le genre où, si tu cries que voleur, les mêmes personnes qui te suivaient là viennent tendre les cartes. Ils te montrent qu'ils sont de tel corps, ils sont de tel corps, et puis facilement, ils sortent. Pourquoi ils font ça facilement? Mais oui, parce que Martinez Ogo Kama aussi, c'est quelqu'un que tous les gens connaissaient. C'est quelqu'un qu'on connaît à Yaoundé. Mais oui, c'est quand même dans son territoire. Donc s'engager à le suivre, ça veut dire que. Ils ont préparé tout. Mais on a vu des histoires ici dehors, non? Les gens viennent enlever quelqu'un dans un commissariat. Mais oui, c'est possible. Vous voyez, on enlève quelqu'un. On arrive dans tous les contrôles. On passe avec lui. Mais oui, c'est des hommes en tenue, ils se présentent, ils passent. Mais demain, on cherche la personne. La personne a disparu. La personne est décédée, on l'a assassiné. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Alors, pourquoi qu'ils s'engagent comme ça à poursuivre quelqu'un? On vous dit qu'en plein capital politique, une grosse voiture, on dit que c'est une Land Cruiser non immatriculée. Pourquoi qu'ils comptent sur quoi? Ils comptent sur quoi pour rouler dans une voiture non immatriculée dans Yaoundé? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont tous les cartouches. Ils ont toutes les cartes pour se défendre. Ils ne sont pas fous. Ne sois pas surpris qu'ils arrivent dans un contrôle. Ok? Ils se présentent en tant qu'homme en uniforme. Tom Tuwanda. Et le jour là, tu es sauvé. Voilà. Et il y a même les gens que quand ils sont en mission, bref là, ils te prennent hoa. Ils te prennent hoa. Alors, tout ça, devant. Tout ça pourquoi? Parce que il n'y a plus la justice dans notre pays. Voilà. Il n'y a plus la justice dans notre pays. Alors. Mon ami, personne n'est Dieu.
Voilà, voilà pourquoi moi je dis je n'ai peur de personne. Voilà. Je serai content en disant la vérité. Mon ami, tu vas me garder dans ta mémoire qu'il y avait un gars de Mbangala qui disait la vérité. C'est ça. Et choisir de vivre pour longtemps, c'est un choix. Mon ami, je n'ai pas choisi de vivre pour longtemps. Ok? Voilà. Les morts se reposent. J'ai envie de me reposer. J'ai envie de dormir même. Voilà. J'ai envie de dormir. N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça là. Tu as peur dans ton pays. Mon frère, la dignité d'un homme, c'est d'aimer son pays. Tu ne dois pas avoir peur dans ton pays. Et c'est toi qui m'as mis parler fort. Que je suis victime de racisme. Je suis victime de racisme. Vraiment, les Français n'aiment pas les Noirs. Les Français n'aiment pas les Noirs. Mon frère, le Français dans son pays se défend. Ils ont défendu pour être libre aujourd'hui là. Toi aussi, défends la cause dans ton pays. Voilà un Camerounais qu'on a tué. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis blogueur. Vous êtes dans les affaires de sang caleçon. On parle les vraies choses, vous ne partagez pas. Vous ne mettez pas les likes. À cause de vous, je suis en train de perdre ma page. Bande de peureux, crasseux comme ça là. Ouf, quittez de là. N'importe quoi. Quand c'est les stands bracata, les vendeurs de piments qui demandent cotiser. Vous êtes champion. Vous cotisez. N'importe quoi. Fichez le camp. Mbanga diaspora, tu ne parles pas. On a mami piment. Vous avez compris, non? Bande de chiens comme ça là. Un peuple amorphe. Connerie. Tu vois, les gens sont sur TikTok. Partagez les fesses. Votre pays meurt. Voilà un Camerounais. Mon ami, on va nous enlever, nous tous. Vous allez voir. Venez, non? Voilà, venez toujours. On va nous enlever, nous tous. On va nous enlever, on va nous tuer. On les connaît, ils sont là. Voilà. N'importe quoi. Non, bientôt, c'est le tour de tel. C'est le tour de tel. Qu'est-ce que tu fais? Tu le soutiens. Tu le soutiens. Alors, merci à tous ceux qui me soutiennent. N'importe quoi. Quand c'est pour les bêtises, vous êtes là. Les cagnottes, non, les cœurs. On parle de la vie privée de quelqu'un. Quand on parle de la vie des gens, vous êtes connectés 10 000 personnes. 30 000 personnes. Vous êtes connectés pour le Congo, ça. Pour le Congo, ça. 30 000 personnes. Alors, vous croyez que ça encourage? Vous croyez que ça encourage nous de continuer à parler? Tu parles quelque chose qui est important. 200 personnes à peine sont là. 300 personnes à peine sont là. Mais quand on a parlé des affaires de 100 caleçons, tout à l'heure, allez sur notre page. Voilà la vie d'un Camerounais qu'on a ôté. On parle de ça. Personne, les gens ne partagent pas. Ils ne partagent pas. L'avocat Alice Com parle que non. Cotisons l'argent pour faire suivre la loi que M. Bia a mis sur pied pour bloquer la double nationalité. Que personne sur la terre, même Dieu, ne peut pas t'enlever ta nationalité de sang. Ton sang, tu es Camerounais de sang. Personne ne peut t'enlever ça. Qui va cotiser? Qui va cotiser? Personne ne partage. Mais les affaires de sang caleçon, telle a dit que, telle a fait que, maf, fichez le camp. Bande de maudits comme ça. Là. On va souffrir nous tous. Vous allez voir, on va tous souffrir, on va crever nous tous. N'importe quoi. C'était Martinez Ogo. Hein. Pays de peureux. Tu vas voir un Camerounais, il va oser faire la concurrence avec la Côte d'Ivoire. Vous pouvez, les Ivoiriens, vous pouvez, la Côte d'Ivoire, vous pouvez, n'importe quoi. Même dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire, les Ivoiriens prennent quelque chose, une affaire dans les réseaux sociaux, ça devient la réalité. Vous partagez. Les Ivoiriens, il n'y a pas un petit problème chez eux. On parle d'une seule voix. Voilà Martinez Ogo qui est pas, qui est mort. On devait parler rien que de ça. Mais certaines personnes ont dit que non, ils sont arrêtés de construire mon immeuble. Ta maman, l'immeuble va s'écouler. Et que non, ils sont arrêtés de construire mon immeuble. Je construis mon immeuble parce que j'ai ma peur. L'autre vient au Cameroun. Elle dit que regardez la route. En fait, tu ne me sers à rien. Si tu ne me sers à rien, tu es petite. Non, c'est pas un dossier. Vous êtes nombreuses là. Le folklore. Vous êtes champion, vous parlez de la vie des gens. Vous êtes champion, vous parlez de la vie des gens. N'importe quoi. Vous avez le courage de parler de la vie des gens.
Pendant ce temps, les Camerounais se meurent. Parce qu'on vous donne derrière 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Parle de tel. Parle de tel dossier. Non, j'ai un dossier, j'ai un chantier là. N'importe quoi. Il y a match, les Ivoiriens. Tu vas voir les gens qui se lèvent là. Est-ce qu'il y a match? Il y a match. Il y a match. Mon ami, la première richesse d'un homme, c'est sa dignité. Oh, les Ivoiriens sont de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont d'abord le concept de dignité. Méfie-toi des peuples qui mangent avec la main. Voilà. Méfie-toi des peuples qui mangent avec la main. Méfie-toi. Voilà. Méfie-toi des peuples qui mangent avec la main. Les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés. Méfie-toi de ces peuples-là. Les Kenyans, les Tanzaniens. Méfie-toi des peuples qui mangent avec la main. Qui s'asseyent. Ils sont en groupe. Ils croisent les pieds. Méfie-toi. Vous mangez avec la main. Ici, là, vous tuez vos frères. Voilà, c'est lui, la douane qui est venue. Vous l'avez tué. Vous êtes, vous, n'importe quoi. Il lance les concepts. C'est vous qui les imitez. Regardez, il roule carrosse. Vous vivez ici, là. Voilà un artiste d'État qui est mort. Où sont les stands, les noms? Au lieu de faire bloc, au lieu de faire bloc, comme une seule personne. Les jeunes ne sont pas là. Hein? Les blanches baillées ne sont pas là. Les personnels là, les mystérieux ne sont pas là. Les locaux ne sont pas là. Alors que c'est un artiste comme eux qui est mort. Artiste, c'est artiste. Fonctionnaire, c'est fonctionnaire. C'est pas une affaire d'âge. C'est pas une affaire de génération. Vous êtes tout dans la division. On vous divise. Vous allez vous entendre quand? Vous apprenez que voilà votre père, votre rêve, votre Dieu, qui est Dieu Yango. Il est là lui-même. Au lieu de profiter pour aller, pour qu'on résolve vos problèmes. Chacun de son côté. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Les bandes de sorciers. On dit que Longuet est là. Tu peux voir le convenu aussi là, s'asseoir. Que grand Longuet, c'est comment? Grand Dédi Yango, c'est comment? Quand on fait là cette chose, toi le jeune qui vient de commencer la musique là, tu vois là ton grand frère, Dédi Yango. Tu dois courir. Tu dois envoyer ta participation. Qui envoie la participation? Qui de vous? N'importe quoi. Bande de maudits comme ça là. Fichez le camp, dis donc. Décevez les gens. Maudit comme ça là. Demande un pays. Ouais, un pays, il n'y a pas de route. Vous avez le cœur pour parler. Vous allez voir les gens. Vous allez voir les gens te partager. Voilà la vie d'un Camerounais qu'on a arraché. Mettons de côté que c'est matinée. Mettons de côté que c'est pas matinée Zogo. Hein? Mettons de côté que c'est pas matinée Zogo. Voilà notre soeur de la diaspora qui est venue. Là, voilà qui a perdu sa vie. Ne dénoncez pas. Voilà un Camerounais qu'on enlève devant les yeux de tout le monde. Jusqu'on peut la battre. Jusqu'on peut le tuer. On ne dit rien. On organise une marche. Camteau ne peut pas être président. Voilà ça, voilà la suite de ça. Camteau ne sera jamais président. Voilà ça, non? Continuons. Qui vivra verra. La petite s'est chantée. Hein? Voilà. Voilà, elle a dit que quoi? Que qui croira quoi là? Qui vivra verra. Ça c'est le contraire de ce qu'elle a chanté là. Voilà. Qui vivra verra. Une bande de maudits comme ça là. Tu vois, l'autre a chanté sa part, c'est Nyama. Tout le monde veut que le Nyama, Nyama. Tous les Camerounais, tout le monde l'adopte. Tout le monde aime. Après un matin, il te sort la photo. Il dit que joyeux anniversaire, mon grand-père. Petit Toto. Si tu n'étais pas ce que tu es là, il pourrait te connaître. Il pourrait te connaître. Les gens vous élèvent. Vous encensez le diable. Quand Dieu vous met en haut, vous encensez le diable. Vous encensez votre propre bourreau. Peut-être que tu étais brave à l'école. Mais tu es obligé de te tourner vers la musique pour pouvoir t'en sortir. Mais demain, tu peux célébrer. Tu peux célébrer ton bourreau. N'importe quoi. Chez le camp, dis donc. On est là, non? Voilà, je serai à l'enterrement de notre soeur. Voilà, je serai à l'enterrement de notre soeur Céline Ladoyenne. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter, contactez-moi au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Nous devons nous lever comme une seule voix pour dénoncer ce crime.
odieux. C'est un crime odieux. La personne a eu l'audace. Il allait à l'extrême. Il allait loin. Nous devons nous lever. Donc je lance comme ça l'alerte à tous les blogueurs, à tous les activistes. Nous devons nous lever comme un seul homme pour décrire cette situation-ci là. Parce que si nous tous on se lève, voilà même Claudicia qui a parlé de ça. Claudicia qui n'est pas camerounais. Claudicia est entier. C'est-à-dire c'est un français. Il peut dire je m'en fous. Mais il a parlé de cela. Donc toi qui es camerounais là, c'est pas une affaire de clan. C'est pas une affaire de tribu. C'est pas une affaire d'ethnie. C'est pas une affaire de bord politique. C'est la vie d'un camerounais. Nous devons nous lever. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Parce que vous voyez le criminel. Le criminel c'est celui-là. Quand tu donnes l'opportunité, il continue son crime. Voilà, on n'a pas élucidé le crime. Le meurtre de Wazizi. Là, voilà encore, ils ont eu l'audace. Ils ont eu l'audace. À qui le tour? Ça veut dire qu'au Cameroun, bientôt, tu vas dire Moufa quelqu'un, il décide de te tuer. Oui. Au Cameroun, bientôt là, tu vas dire Moufa quelqu'un, il va décider de te tuer. Au Cameroun, bientôt, quelqu'un va vouloir ta femme, va désirer ta femme. Il va décider de te ôter la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que bientôt, toi-même là, tu vas venir au Cameroun. Tu achètes un terrain. Tu verses l'argent, on te tue. Donc, c'est plus des affaires qu'on prend là. Parce que c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça. Il n'y a aucune raison de ôter la vie à quelqu'un. Il n'y a aucune raison de ôter la vie à quelqu'un. Le président de la cinquième puissance du monde a été giflé à Mondovision. C'est-à-dire que c'est l'humiliation. L'humiliation pour lui-même et pour la sécurité. Et en tant que chef d'État, c'est l'humiliation. Comment ce monsieur a fait pour le gifler? Il a été giflé, mais ce monsieur est vivant. C'est ça les vrais pays. C'est ça les vrais pays. Aucun Camerounais est au-dessus d'un autre Camerounais. Parce que on ne peut pas aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. Quand c'est trop, c'est laid. Ce que je voulais vous dire, je suis fâché. Alors arrêtez-moi ça. Vous êtes là, vous-même là, nous sommes pour quelque chose. Vous passez autant, vous êtes là connecté dans le direct des Congos, ça, des bêtises, de la vie privée des gens. Vous mettez les cœurs même. Vous mettez les étoiles, vous dépannez les gens. Je vois les gens envoyer les 2000 étoiles. Parce qu'on est en train de parler de la vie de quelqu'un qui n'apporte rien au Cameroun. Les affaires de Sankaleson. Vous êtes dedans. N'importe quoi. N'importe quoi. Ma chérie. Dans d'autres pays, c'est bien parce qu'ils ont conçu leur pays. Ils ont développé leur pays. Dans d'autres cieux, ça, c'est bien. On encourage les stars Brakata. Parce que là-bas, c'est là construit. Ils n'ont pas de problème d'eau. Ils n'ont pas de problème d'électricité. Dans un pays pareil, ceux qui devaient être motivés, c'est la voix des sans-voix. C'est les activistes. Est-ce que vous nous encouragez? Vous nous encouragez? Vous avez l'audace. Manga parle de telle chose, parle de telle chose. N'importe quoi. J'attends ma part de mort. J'attends ma part de mort. Mais je vais mourir en grand. C'est ça. Il veut mourir. La pureté est mort, non? Alors. Les gens qui ne cherchent pas les problèmes meurent. Donc si je meurs parce qu'on dit que j'ai cherché le problème, parce que j'ai dit la vérité, ce sera avec plaisir. Un faux pays. Comme ça, là, on voit Cabral Libi, vraiment, on doit se soulever. Mon frère, tu as parti avec eux. On t'avait dit ne pars pas là-bas. Tu es parti. Tu vas dire quoi? Toi, tu es coupable. Tu es pour quelque chose, monsieur Cabral Libi. Tu es pour quelque chose, Cabral Libi. On t'avait dit ne pars pas là-bas. Ne crédibilise pas ce système-là. Le fait que tu es parti aux élections, ça montre qu'il y a un semblant
de démocratie. Il y a un semblant d'opposition dans ce pays. Alors voilà ça aujourd'hui. Je n'ai encore rien vu. Mon ami, les Camerounais sont en mort. Voilà. C'est le seul pays au monde où on te donne le titre foncier de ta maison. Demande en nul. C'est-à-dire que le même ministre qui a signé ton dossier pour avoir le titre foncier, demain il annule. Le même ministre. C'est quoi ça? Dans un pays où les Camerounais n'ont plus d'assurance, n'ont plus de garantie, même de leur terre. C'est-à-dire que tu achètes ton terrain titré. C'est-à-dire que rien ne te garantit que c'est pour toi dans 10, 40, 10 ans, dans 20 ans. Hein? C'est quoi ça? Tu achètes ton terrain, après 10 ans, on te dit de quitter. Tu penses que non, il ne peut pas parler. Mon ami, il y a deux moyens de mourir. On peut être vivant, on est en mort. On peut être vivant, mais être mort. Mais oui! Pour vous, la mort, c'est quoi? Les pauvres d'esprit comme ça. Mon ami, il y a des gens vivants, mais qui sont en mort. Qui sont en mort depuis. Quand tu n'arrives pas à envoyer tes enfants à l'école, on appelle ça quoi? Quand tu n'arrives pas à rationner ta femme, on appelle ça quoi? Quand quelqu'un d'autre vient rationner ta femme, il couche ta femme, il fait les enfants dans la maison où tu habites, il paye la location, on appelle ça quoi? Tu es un mort, monsieur. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Pour toi, la mort, c'est être dans une tombe. Non. C'est pourquoi les grandes personnes, au lieu de céder à l'humiliation, se donnent la mort pour ne pas voir tout ça. Parce qu'on va se moquer de lui. Les personnes les plus grandes, les personnes qui sont sages dans l'histoire, se sont donné la mort. Refusent de voir certaines choses. Refusent. On vient, on te prend ton titre fond. On te prend ton terrain. On détruit ta maison. Tu as 80 ans, tu vas aller où? Tu as 80 ans, tu vas aller où? Disons que tu n'as plus de problème de maison. Tu vois un père dehors, à 70 ans. On lui met dehors sa femme et ses enfants. Il va aller où? Il n'a plus la force. C'est son devant derrière. Les gens qui étaient dans les villages, hein? Ici là comme ça là, ici à Bonapiso, ici à Bali. Voilà les gens qui sont dans les villages. On vient les casser après 50 ans. C'est pas la mort? Tu es vivant, tu es mort. Un sans-abri n'est pas différent d'un mort. C'est pourquoi dans notre pays, on les trouve chaque jour morts. Les sans-abri, chaque jour on trouve les cadavres. Ils sont morts. Quoi, c'est quoi? Parce qu'ils ont perdu espoir. Quand tu n'as plus l'espoir, que tu le veuilles ou pas, à un certain moment de ta vie, tu perds espoir. Parce que tu n'as plus la force. Tu avais déjà tout arrangé. Mais ils sont venus tout prendre encore. Tu as fait quoi? Tu penses qu'à 70 ans, tu as encore force? Tu as encore la force que tu avais hier, d'avoir 5 terrains, de pouvoir te construire comme tu voulais. Tu n'as plus les mêmes moyens. Tu es vieux. Maintenant, tu te soucies pour ta santé. Manger pour le quotidien. N'importe quoi. Donc non, on va te tuer. Mon ami, c'est parce que tu es un égoïste. Je ne me fie pas de moi. Je ne me fie pas de moi. Je ne pense pas à moi. Moi, je ne suis pas malheureux. Je te dis vrai. Je ne suis pas malheureux, mon frère. Mais oui, c'est clair. Je ne suis pas malheureux. La vraie vie, là, je ne suis pas malheureux. Non. C'est clair. Je peux carburer chaque jour 10 000 dans ma voiture. Je peux carburer 10 000 chaque jour. Mais ce n'est pas le plus important. C'est parce que je pense que le bonheur, c'est avec les autres. J'ai voyagé, j'ai compris le monde. Le bonheur ne se trouve pas dans soi-même. Le bonheur se trouve avec les autres. Quand tu vas quelque part, tu peux donner une bière à quelqu'un. Une autre personne peut aussi t'offrir une bière. C'est plus beau à voir. C'est plus beau à voir. Pourquoi on empoisonne les gens au Cameroun? Pourquoi? Parce que tu viens, c'est toi ce qu'ils offrent. Ça fait les frustrations. L'ami d'enfance ne peut pas t'offrir ce que toi, tu l'offres. Et quand il va chez lui, il encaisse les injures de sa femme. Il encaisse les injures de ses parents. Il décide que, au lieu de vivre ce genre de vie-là, bêta, il finit avec toi. Les frustrations. J'en ai connu. Un ami m'a dit ça. Père son âme. Comme Banga,
Tu penses que c'est normal que quand tu viens à chaque temps là, c'est tout toi qui nous amène. Vraiment, faut pas faire ça. Il m'a parlé ce jour. Il a pleuré. Il a pleuré. Pensez sur quoi là? Dis-moi ça, dis donc. N'importe quoi. Les problèmes chaque jour. Oui, c'est clair. Monsieur bien n'existe plus. Là, c'est ce que moi je connais. Pour bien n'existe plus. Et puis, quand nous on fait là chaque jour là, il n'existe plus depuis. Voilà, il n'existe plus. Voilà, on crie seulement parce qu'il faut crier. Parce que dans un vrai pays où il y a un chef d'État, il tape la main sur la table. Il tape la main sur la table. Il oublie les crimes que lui-même il a causé dans sa vie. Il dit que l'affaire, sinon, on va voir la lumière sur ça. Ça veut dire qu'il n'existe plus, on s'en fout de lui maintenant. Voilà. Ces sujets s'en foutent de lui. On dit que nous, on gère dans le pays ici-là. Parce que quand tu vois les gens ôter la vie à un être humain pareil, ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de la justice. Ça veut dire que même la justice, ils contrôlent. Parce qu'il y a les caméras. Les caméras peuvent te dire où la voiture est quittée, où on a kidnappé ce garçon, ce monsieur, où on l'a exécuté. Il y a les caméras. Il y a les caméras. À partir des caméras, on peut connaître où. C'est qui est sûr que quand on te prend comme ça, on t'amène dans une maison. Oui. Quand on te prend comme ça, on t'amène dans une maison d'abord. On te torture. On ne décide pas de te ôter la vie à l'instant. On te met sur interrogation. On te pose des questions. Qui est derrière toi? On prend ton téléphone. On fouille. Tout et tout. Oui. Parce que quand on te prend, il n'y a pas l'intention de te tuer à l'instant. Toujours. Ça veut dire qu'on l'a ramené quelque part. On l'a torturé. On l'a mis sur interrogation. Dis-nous qui est derrière toi. Dis-nous qui te finance. Dis-nous qui t'a mis sur information. Mais oui. Mais comme les caméras du Cameroun, c'est pour le MRC. Hélas, voilà ça. Voilà ça. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas de bord politique. Voilà. Voilà. Lui, le dictateur connaît son opposant. Et il sait. Et il sait. Et l'homme que le dictateur a plus peur, c'est ceux qui le soutiennent. Parce que tous ceux qui soutiennent un dictateur savent que bientôt, le PS va être fatigué et il va nous laisser la place. J'ai fait l'erreur. Il devait... Il devait laisser la place au monsieur, c'est passé. Voici si là comme ça, bien c'est les bougies qui sont finies. Hein. Vous partez, vous mettez les cœurs. Quand Banga Diaspora dit que non. Voilà, voilà, il a demandé qu'on doit créer notre part de chancellerie au Cameroun pour la diaspora. Quand on dit aux gens cotiser, c'est que non, 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 non. Voilà, ils sont là toujours. Ne faisons pas un bloc. Ne faisons pas le bloc. Continuons. Le dictateur n'a pas d'amis. Il n'a pas de frères. Il n'a personne, il n'a confiance à personne. Voilà, la seule personne à qui il a confiance, c'est en lui-même. Même ses enfants, il a peur. On ne vous a pas dit, il y a les rois qui ont tué leurs enfants. Quelqu'un tue son propre enfant. Parce que lui-même, il a tué son père pour être roi. Donc, il a même son propre enfant. Il tue. Il n'a pas confiance. Surtout quand il prendra de l'âge. Là, puisque c'est des malades, il pense que non, il est immortel. Alors qu'il va mourir. Ah oui, c'est ça. Il a peur que ce qu'il a fait aux autres l'arrive. Ça veut dire qu'il n'a confiance à personne. C'est ça le dictateur. Le dictateur, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que toi qui le supportes là, tu seras sa première victime. Parce que tu supportes un dictateur, parce que tu penses que le moment viendrait, il va te laisser la place. Il ne laisse la place à personne. Il meurt là. Il meurt là. Parce qu'il n'a confiance à personne. Parce qu'il connaît la fin du film. Il sait que s'il te donne, tu risques de te retourner contre lui. Voilà. Voilà le président angolais qui a donné la place à quelqu'un, mais on lui a manqué le respect. Voilà, un peu partout dans le monde, on a vu, non? Ouais, on a vu, ouais, ça passe. Donc chacun a peur. Chacun a peur. La dictature n'a pas d'amis. Voilà. Donc je vous laisse. Bonne nuit. Donc si vous apprenez que je suis mort, tant pis. Voilà, donc nous devons déjà organiser comment créer notre part de mouvement, de la chancellerie de la diaspora au Cameroun. Voilà.
dont j'ai là donné l'idée par rapport au décès de notre soeur Céline Ladoyenne. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Ça répond aussi à MTN Money. Donc si tu veux participer financièrement, tu es la bienvenue. Voilà. Parce qu'il nous faut les bureaux. Voilà. 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN Money. Et mon Orange Money, c'est le 696 94 32 42. C'est mon numéro MTN Money. Il faut qu'on loue les locaux. Donc j'ai quelqu'un qui m'appelait là tout à l'heure. On va se rencontrer là. Et puis on s'est donné rendez-vous là. Je vais le voir pour qu'on cause. C'est un grand frère de la diaspora. Et frère de... Ouais. 696 94 32 42. Merci à toi Longchi. Voilà, le MTN Money, c'est le MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Donc voilà, on va causer parce qu'il nous faut le local. Voilà, notre part le bureau. Là on va regrouper la diaspora. Voilà, quand tu viens au Cameroun, tu passes d'abord par là pour qu'on te donne les stratégies comment t'en sortir. Voilà. Voilà. Quand tu arrives comme ça là, tu viens comme si c'est comme le Nganda. C'est un repère pour la diaspora. Quelles que soient les relations dans ta famille, tu passes là-bas. On te dit ce que tu dois faire. Voilà, ce que tu dois faire, ce que tu n'as pas fait. Mon frère, ma soeur, tu as trop souffert là où tu étais. Quand tu viens là, repose-toi d'abord. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que tu sais que même à partir du poignet de ta voiture, on peut t'empoisonner? Parfois le poignet là, parfois on t'empoisonne pas dans, parfois on t'empoisonne pas dans le snack ou bien dans un restaurant. On peut t'empoisonner à partir du poignet de ta voiture que tu es en train d'ouvrir là. On t'empoisonne. Et c'est ça. Et c'est ça. On peut t'empoisonner à partir d'un mouchoir. Et c'est ça. Ça existe. Ça existe. Donc on doit donner les idées. Je suis là en contact avec les frères qui sont même dans les services secrets dans d'autres pays, qui sont des hommes en tenue dans d'autres pays. Donc, je suis en contact, ils m'ont contacté, ils vont me donner les idées qu'on va partager ensemble. Voilà. Parce qu'ils savent comment ça se passe, comment les gens se comportent, les gens qui font du mal aux autres. Vous voyez un peu. Donc, ils m'ont dit que, bon, petit frère, l'idée est bonne. Si c'est pour faire, si c'est pour sécuriser la diaspora qui arrive au Cameroun, parce que c'est trop de décès. Donc, ma vidéo a touché beaucoup de personnes. Et je vous invite à vous abonner sur ma page TikTok. Voilà. Abonnez-vous sur mon compte TikTok, Banga Diaspora. Parce que c'est là où je fais les vidéos et c'est là où j'ai plus d'audience. Parce que ma page ici est restreinte. Ma page ici est restreinte. Donc je vous invite à vous rabattre de ce côté-là. Sur mon TikTok, Banga Diaspora. Voilà. Parce que c'est très important. Parce que notre vie en dépend. C'est très important. Sur ce, passez une bonne soirée, bonne nuit.